Bonjour YouTube, et voici un jeu que j'attendais beaucoup, un jeu indépendant, fait par un développeur français, plus précisément Sylph et Roll Music, si vous le connaissez parce qu'il a fait Garlic, le jeu de plateforme, et là il sort sa dernière création, Quickquex, que j'attendais beaucoup. Donc on va pas chipoter, on va commencer quasiment tout de suite. Je vais jouer environ 30 minutes pour vous YouTube, pour le live, on va continuer tout le live sur le jeu. Et ça vous donnera une idée du jeu en tant que tel. Donc on va y aller dans 2 minutes. Je termine mes vérifications et on y va. Oh, écoutez-moi cette musique. J'aurai juste mon retour, excusez-moi une petite minute. Voilà. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Hop, petit personnage, déjà on a le saut, on a l'épée. Hop. Puis quoi, c'est un jeu de plateforme aventure à l'ancienne, un néo-rétro. Regardez-moi ça. Je vais aller par là, moi. Ah, on peut s'agripper comme d'un garlic sur les rebords. On peut se baisser, on peut sauter. Ah ah! Jaguar! Oh, pas les bons trucs! Ah, là y est. Donc on y va, c'est parti! J'ai l'impression que mon micro est un peu saturé, donc je vais baisser un petit peu la saturation. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Oui, ça devrait aller mieux là. Allez, on y va! Ah, je peux péter les blocs de cette façon-là aussi. Je sais pas si le jeu est très long. On va le découvrir. Hein. Oui. Voilà, petite inertie là. Attends, on va jouer avec les flèches, c'est mieux. On a que 5 vies. On va taper en bas, ok. La musique est super. Hein. Là-dessus, c'est magnifique. Et puis rouge. Ah, ça fait un bonus que j'aurais pu choisir. Youhou! Bonsoir Mibi, j'espère que ça va, j'espère que le son est correct. Pourrais-tu me donner un petit retour sur le son? D'ailleurs, j'aimerais le baisser un petit peu. Voilà. Voilà, ça devrait être un peu moins pire pour vous. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Oui, ça va. Ok, parfait. Ah, premier boss. Aïe! Ah, en plus... Ah ok, ok, ok. Ah, je me suis fait avoir par le truc. Ah, je me suis fait avoir. Ok, ok, le wall jump va être important, je pense. Zone 1-1, on s'est fait avoir. Il faut rappeler que je suis pas très dur au jeu plateforme, hein, donc... Ne vous inquiétez pas si je perds souvent. Allez, au boss, c'est facile toute la vie. Épée dragon.
va prendre la charge. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais voyons voir. Allez le boss, j'ai compris ton pattern, viens-t'en. Ah merde! Ah, je me prends quand même le coup, quoi. Ah, il faut que je fasse attention à ça. Ah! Ok, on l'a eu. Bon. Voici une vie, par exemple. La musique est forte, ouais, je me dis aussi ça. Attendez, je vais la baisser directement dans OBS. Note moins pire pour vous, là. Donc, let's go. Dans un épée, il charge plus vite que... Plus loin, ok. Ok, ça fait quoi, ça? Ok, l'attaque est plus puissante, c'est ça? Oui, je vais prendre ça, s'il te plaît. Merci. Mais je n'ai plus de vie, je vais prendre ça. Le volcano! Ah tiens, ça rappelle le jeu, ce truc. J'ai raté la pomme. Ah, je suis... Je suis bête, là. Déjà le boss, ok. Ah, ok, ah oui, ah, ok. Ah, merde, je vais avoir... Ah, ah, là, je me suis fait avoir. Mais comme il faut. Ah, mince. Ok, on comprend le boss, là. Bon. On a compris, on a compris. Hop. Oula. Ah merde, je suis bête comme mes pieds. Les niveaux sont procédurales, ça c'est cool quand même. J'ai choisi l'épée métallique. Allez, ramène-toi. Aïe, je me suis pris cela. Ah merde, c'est bon. Ah, je me fais trop avoir avec ce truc là. Ah oui, mais là je mets comme un caca là.
Bon. Pim, pim, pim. J'espère que vous entendez cette musique très longtemps. Hein. Ah merde, je me suis fait avoir par les trucs en haut. Ah, y'a rien. J'aurais cru. J'aurais espéré un secret, mais c'est pas le cas. Je prends le casque. Attaque. Merde. Ah, mais je fais avoir. Mais oui, je meurs comme un caca. Mais oui, mais oui. Tché. Je comprends le principe, mais j'arrive. Faut que j'arrête de jouer avec les analogiques, ça me casse cool. Pim 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 pim. Ah merci. HP max, moi je suis déjà bon. Allez avec les PV. Ah merde! Ah merde, ça va. Ah mince! Ah mais je suis avoir comme un con. Ah j'ai passé, ok. Ah je peux repousser ce truc en fait quand ça tombe. Ouais ouais. Les blocs volants contiennent des objets. Oui, j'avais compris. Ah pas y aller là-dessus, tiens. Je peux en trouver un truc qui vole avec de la vie. Volcanos. Ah, c'est chiant, par exemple. Je passe comment là? Comme ça. Ah, je peux pas taper en même temps que chargé. Ah, c'est pas. En avançant. On profite de la musique, hein. Elle est quand même cool. Ah, j'ai qu'une vie pour le boss, ça va être amusant. On a compris.
On gride pas. Arrêtez du coup. Ça va être long, hein. On sort ça, on s'en sort. Encore deux, trois, comme ça, c'est fini. Et voilà, c'est fait. Il va y avoir beaucoup de speedrun à faire dans ce jeu. Tiens à le dire. Alors j'ai là l'épée de lumière, le casque de saut. Le casque il est. On va prendre l'épée de lumière. Et va y mourir. Ah, les plateformes de ces morts. Ma pire ennemie. Ah, bien sûr. Ah, ah, la boule de feu. La boule de feu qui m'a tué. Let's go. Moi je travaille chez Abba Extermination. Ah bien sûr. Il est bourré trop. C'est vrai que je peux faire ça. Et après comment sauter loin. Ah non, je suis con. Je suis pour l'attaque. J'ai bourré dedans comme un con. Vaincre. Attends, quoi? Vaincre les trois chevaliers maléfiques. Pas vaincre, donc. Plus 3 de vie. Prendre le cœur. Avoir Indy Max. Le deuxième boss, assez facile. Donc, si on y arrive jusqu'à lui, c'est vite correct. Ah, je suis... Con. Ah, je savais que j'allais me prendre le truc. Oh oui. Pas d'armement. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu me tues toi? Casse-toi.
La petite boule qui feinte là. Bon, on bosse là, on le connaît. Hop. Ok, on peut taper fin. Hein. Oh! Ah, peut finir beaucoup plus vite qu'on le pense, du coup. C'est bien ça si on décide de faire un speedrun. Et casqué. On va prendre l'épée longue. Et donc j'ai plus d'allonge, c'est ça? Ah si, un gros truc qui lance des flammes. Le timing, j'essaie de voir s'il n'y a pas une boule de feu qui sort de je sais où là. Non. Ah, je savais ça que j'allais me prendre le coup. Ah, dis-moi que c'est la vie. S'il te plaît. Ouah yeah. Ouais, je sais, je suis nul. Bon, je plateforme. Regardez juste un petit coup mon Discord. Ah, tiens, il y a mes filles qui sont là. Attends. Venez, papa. Oui. Va dire bonjour aux gens de YouTube et du stream. Bonjour YouTube, bonjour le stream. On va jouer avec Papounet. On va porter chance à Papounet. Oui. Papounet est nul au jeu de. Non, non, par contre, papa a besoin de ses deux jambes. Non, c'est des jambes. Ses mains. Hop, couche-toi. Couche-couche. Non, pas le bisou, là, non, pas maintenant le bisou. Merci. Ok. Merci, ma fille. Mais on est plus métallique. Allez, allez, t'attaques. Ah là, je suis con. Bon, on a bourré dedans, on a pété un cœur, c'est pas grave. C'est correct. Qu'est-ce qu'il dit? Attaquer te permet de faire des mouvements spéciaux. Ah ouais, ok. C'est comme si j'avais plein de vie, on y va. On s'en rappelle, ce boss-là est facile. Thank you.
Oula. Ah, j'ai perdu un truc parce que... Ah non! J'avais tapé mon épée, j'aurais dû l'avoir ce truc. Voilà, ça c'est réglé. À prendre le casque de saut. Et voici une action spéciale, mais je vois pas vraiment ce qui est plus spécial. Oh ouais, on a pris le casque de saut, c'est correct. Ah, chut. Dégoûté là. Ah, j'ai perdu mon épée et mon casque. Mais si je meurs parce que je saute sur lui! Ah. Je pense que YouTube, ça fait déjà une bonne VOD qui vous permet de voir à peu près ce qu'il fait. Le jeu! Une petite aperçu du jeu, vous l'avez eu, donc je mettrai en lien la page Steam du jeu si vous voulez essayer. Le jeu est pas très cher, il est tout juste à un prix de 10$. Donc n'hésitez pas à y jouer. Allez tester au moins, il est très très fun. Donc à plus YouTube pour le live, on va continuer, on va aller plus loin pour voir si on peut finir le jeu ce soir. Ça m'étonnerait, mais...